Salut à tous, c'est Lavage de Maxime. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc désolé, j'ai pris mes écouteurs en tant que micro parce que c'est une vidéo nouvelle arrivant, comme vous avez pu voir. Donc je vais vous montrer mes nouvelles arrivants. Donc je vais pas chercher mon micro sinon ils vont rester beaucoup de temps dans la boîte. Donc la boîte elle est là. Donc on va ouvrir le paquet. Donc là, c'est le petit paquet avec pas beaucoup dedans. Donc là, c'est les petits canetons coureurs indiens que j'ai achetés, donc qui sont nés ce matin. Donc l'éleveur, il m'a dit qu'ils étaient nés ce matin, donc il m'a dit qu'il y avait deux qu'ils avaient 2 heures de plus que les autres. Donc je vais tout de suite les mettre avec les autres. Hop, là, il y en a encore deux. Hop. Voilà. Donc là, on se retrouve tout de suite pour aller voir les nouveaux arrivants, les autres nouveaux arrivants. Alors, nous voilà à côté du parc Cana, là où il y a les oiseaux. Donc, les nouveaux arrivants sont ici. Donc voilà, je vais tourner la boîte légèrement comme ça. Donc, c'est assez rare que j'ai eu. Donc, j'ai eu bah, bien sûr des courants indiens, comme vous avez vu, et des petits courants indiens un peu plus âgés. Et surtout, la grande surprise, la grande nouvelle, qui est très rare, que j'ai beaucoup beaucoup de mal à trouver, des oisons de Guinée blanc. Donc dedans, il y a les oisons de Guinée blanc. Donc, il y en a quatre. Donc il y en a un là. Je vais les mettre tout de suite là. Hop. Donc ils ont à peu près le même âge que mes oisons. Ils ont 2 semaines là. Donc là, j'en prends très soin mes petits oiseaux. Tout droit. Non, pas là-bas. Allez mon petit gars, tout droit. Voilà, pardon. Hop, il en reste encore un. Là. Et encore un là. Hop. Voilà, donc là je vais essayer de poser la caméra de façon à ce que ça soit plus propre pour vous. Alors, hop, là il y en a un grand blanc. Hop. Mais il y a pas mal de blancs, hein. En tout il y en a 18 des canetons, avec les plus petits qu'on a vus tout à l'heure. Il y en a encore un là. Encore un là. Encore un là. Là, il y a un petit blanc. Donc, c'est vraiment des courants indiens purs. Hein. Ils tiennent vraiment bien droit. Donc, c'était à peu près à 1 heure de chez moi. Donc, surtout, n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus, exploser la barre des pouces bleus. Parce que là, j'ai pété le porte-monnaie, comme on dit. Hop! Là, il y en a encore. Donc, il y en a pas mal. Hein. Donc, ils tiennent tous droit. Je suis super content. C'est vraiment la pure pure race. Attention à toi. Hop, ici. Encore un. Encore un. Et le dernier. Encore un. Donc, voilà. Hop. Donc, là, ça fait une grande tribu. Donc, il y a donc. Ah, ils sont un petit peu plus vieux les miens. Ceux-là, c'est les miens, ils sont un petit peu plus vieux. Donc, il y a mes 15 canetons, mes 15 oisons Guinée, Toulouse et Blanche. Mes 3 canetons, là, les 3 derniers, là, courant indien un peu plus grand. Et après, il reste des petits. Je pense que s'ils ne s'intègrent pas, je les mettrai avec mes jeunes petites oies. Parce qu'il y en a vraiment des tout petits. Genre là, lui, il est tout petit là-bas. Voilà. Donc on verra bien, mais vu qu'aujourd'hui il fait assez chaud, je vais les laisser là pour l'instant. Voilà. Ouais, ils ont encore à manger, ça va. Donc voilà. Donc c'est une courte vidéo donc des nouveaux arrivants. Donc n'hésitez pas à. Bah déjà on arrive à la fin de la vidéo, j'ai oublié de le dire. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu.
à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!